Bonsoir familia, bonsoir Carole et Arminio, enchantée de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de faire un voyage à la campagne cubaine à travers le piano et ses petits espaces de partage de musique. Nous allons parler de la musique paysanne, la música campesina. Vous avez vu, je vous ai joué un tumbao qu'on entendait beaucoup sur Radio Latina, joué par des groupes portoricains dans les années 80, dans les années 90. Ce tumbao, il est exactement la reproduction de ce qu'ils font des instruments de guitare, de la musique paysanne cubaine, qui sont les premiers instruments à avoir joué le son et les morceaux traditionnels que nous connaissons aujourd'hui après la révolution, comme la salsa. Je vais vous jouer maintenant deux tumbaos de l'orchestre de Benny Moré. Vous allez voir qu'ils sont toujours d'actualité. Alors le premier, c'est sur le titre Castellanos, que bueno baila usted. Le pianiste, il fait comme ça. Voilà, et je pense à un autre titre que j'aime beaucoup de Benny Moré, et c'est Vertiente Camagüey, le tumbao de piano qui lance la rythmique pour commencer les titres, fait comme ça. Nous ont fortement influencé. On a l'impression qu'ils ont été composés hier et on les retrouve dans l'influence de tous les musiciens de salsa de nos jours. Même pour commencer à apprendre à jouer le piano salsa, on commence par ce style de tumbao. Et voilà, et je voulais absolument partager ça avec vous et je vous invite à chercher sur YouTube, si vous pouvez, des enregistrements de l'époque de Benny Moré. Vous allez voir son magnifique orchestre, comment ça tourne. Il y a des cuivres, les pianistes, il est excellent, il fait des choses magnifiques. Et vous allez voir que toute la salsa était influencée par tout ce qui était fait dans les années 40 par Benny Moré avec son big band et cette manière élégante de jouer au piano les parties qui sont jouées par la guitare originellement dans la musique paysanne cubaine. Voilà, c'était la berceuse de Alejandro García Caturla. Alejandro García Caturla est une éminence de la culture cubaine. C'est un violoniste, pianiste, compositeur, arrangeur, directeur d'orchestre qui a composé la berceuse dans l'année 1925. Et ces morceaux magnifiques reflètent parfaitement l'ambiance paisible de la campagne à Cuba, les belles scènes champêtres au lever du soleil avec les oiseaux qui chantent. On a l'impression d'y être, c'est vraiment d'une poésie, d'une douceur incroyable. Et dans cette belle campagne cubaine, se sont rencontrés des émigrés des îles Canaries qui ont apporté les guitares. C'est eux qui sont à la
creación y la naissance del punto cubano o punto guajiro, los que se son rencontrés avec des métis cubains y aussi plus tard avec des africains, ils ont donné naissance à ces genres folkloriques cubains chantés à la guitare mais aussi dansés comme el zapateo, qui est une danse folklorique cubaine, une danse traditionnelle magnifique. Et j'ai envie de faire un autre petit clin d'œil en jouant un extrait d'une œuvre qui s'appelle Zapateo por Derecho d'un grand compositeur et pianiste cubain qui s'appelle Fran Fernández. C'est une transcription au piano des mélodies les plus chantées des Zapateos cubains. Donc j'espère que vous allez l'apprécier. C'était mon petit clin d'œil au zapateo, la danse paysanne cubaine. Et je ne peux pas partir sans interpréter un petit extrait de El Carretero, qui est une chanson paysanne cubaine très connue, très célèbre depuis le succès de Buena Vista Social Club. Elle est interprétée par Eliadis Ochoa, qui nous a laissé une trace inoubliable. Et voilà, je vais faire un petit extrait au piano. J'espère que vous allez apprécier. Et je vous souhaite un très bon week-end. Une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux moments de piano et de musique. Para gozar.